prononcer son discours. Mesdames et Messieurs, Auguste Audience, Excellences et Ambassadeurs, je salue les partenaires de partout dans le monde dont le succès de cette célébration et je voudrais bien sûr saluer l'Auguste Audience et la population égyptienne, arabe et islamique à l'occasion du mois du jeûne du Ramadan, que ce soit une bénédiction pour tout le monde. Et que Dieu nous donne la sécurité. J'ai l'honneur maintenant, lorsque nous célébrons de la bravoure de l'autorité du canal de Suez, et qui est la célébration des opérations d'excavation et de dragage et du remorquage du bateau et du navire dans le canal de Suez, Ever Given, et je saisis cette occasion pour exprimer mon honneur que ce n'était pas seulement une occasion pour mettre en relief la bravoure de nos employés, mais c'est une journée qui prouve la bravoure et la solidité de l'Égyptien devant les défis et de faire triompher sa bravoure. Et lorsque nous nous souvenons de tous ces moments critiques et le monde en entier guettait nos efforts parce que c'était la navigation était bloquée dans le plus grand canal du monde et l'artère le plus grand dans le monde. Cette crise a eu lieu pendant six jours. Je dois dire pleinement que c'est la clé pour la victoire dans cette opération, c'est surtout le soutien indéniable du président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République, qui a supervisé toutes les opérations pour le remorquage et la libération du canal tout au long des six journées. Et il a beaucoup de confiance en tous les employés du canal de Suez à cause de leur expertise et leur solidité face aux défis et leur volonté de triompher la cause de l'Égypte. Le soutien du président était le mot-clé pour faire évoluer nos efforts sans lasse et les efforts sans lasse qui ont eu lieu tout au long des six journées et qui étaient évalués de prendre de 3 à 6 mois, ce qui devrait avoir engendré beaucoup de répercussions dans la navigation du canal de Suez, qui est l'artère de navigation commerciale internationale très importante. Aussi l'appréciation et les salutations à tous les employés et tous ceux qui travaillent dans le canal de Suez et qui ont géré cette crise avec solidité et bravoure et volonté. Tout au long de l'histoire, ils étaient tous à pied d'égalité avec la responsabilité. Je les salue tous parce qu'ils ont bien honoré le nom de l'Égypte et étaient l'exemple même de l'Égyptien qui fait face aux défis. Et je voudrais bien saluer tous ceux qui ont contribué aux négociations qui relèvent de cette crise jusqu'à la libération de ce bateau. Si on parle des négociations, je dois remercier toute notre équipe parce que les négociations ont duré pour des mois. Grâce à leur volonté, ces négociations n'auraient jamais réussi. Ils ont déployé beaucoup d'efforts afin de mettre terme à cette crise des négociations parce qu'on voulait minimiser les indemnisations et nous voulons aussi préserver nos relations avec nos partenaires de travail. Je salue aussi
le propriétaire du bateau, parce qu'il y avait beaucoup d'assistance lors des négociations aussi. Il a bien coopéré avec nous, ainsi que le secrétaire général de l'IMO, et qui a donné son allocution à travers la visioconférence. Et notre célébration est une preuve que l'autorité a pu outrepasser plusieurs problèmes autres que ce problème de Ever Given. Et je dois mentionner qu'il y avait beaucoup d'achèvements et d'accomplissements. Malgré la pandémie et les répercussions du coronavirus, l'autorité avait adopté beaucoup de scénarios afin d'outrepasser cette crise et de réaliser des nombres et des chiffres très évolués malgré la pandémie du coronavirus. Si l'on voit maintenant le mouvement, en 2021, on a enregistré des chiffres qui dépassent les 10%, une augmentation de l'année précédente. 8% d'augmentation a eu lieu en 2021. Je dois vous rassurer que la navigation depuis janvier jusqu'à mars, malgré la guerre russo-ukrainienne, et nous possédons beaucoup de navires dans la mer Noire, mais si l'on voit le mouvement, il y a 5 056 navires ont traversé le navire, ce qui va de pair avec une 9% augmentation. L'augmentation était 18%. Augmentation. C'est grâce à beaucoup de politiques de chiffres et de frais qui ont été adoptés lors des crises. Alors, le risque était bien calculé. On avait eu beaucoup de réductions pour le gaz et le pétrole et le gaz liquéfié. Et c'était une réduction très, très importante, ainsi que les navires en provenance de l'Asie ont joui de 17% de réduction et de 45 à 65% de réduction pour les navires en provenance des Amériques. Ainsi, une augmentation dans les frais temporaires, c'est parce qu'il y avait une sorte de pression sur nous. Il y avait beaucoup de pression à cause de la guerre, ainsi que les conditions internationales. C'était des services qui étaient fournis à ces navires et des remorqueurs qui traversaient le canal de Suez. Il y avait 16 stations qui opéraient. Il y avait beaucoup de pression, mais nous avons fait l'effort. C'est une augmentation temporaire qui doit changer et qui peut être réduite selon les conditions de la condition internationale. Et nous essayons de suivre de près et nous essayons de désamorcer les crises avec nos partenaires. Et tous les accomplissements qu'on a déjà cités, mais l'autorité du canal de Suez a eu beaucoup d'actions pour restaurer la navigation et restaurer les travaux et faire des aménagements dans la branche du canal de Suez. Ce projet est un très grand projet pour le développement du secteur du canal de Suez depuis janvier. Mais nous avons eu recours à commencer à ce projet en juin dernier, juste après la crise de Ever Given, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une
urgence pour travailler dans 40 km du canal de Suez. Deux projets ont été partagés sur ce trajet dans les lacs amers et nous essayons de faire une ligne doublée pour avoir deux lignes, deux branches pour le canal de Suez afin d'héberger six navires. Les autres 30 km, on va essayer de faire un élargissement et un approfondissement du canal afin de faciliter la navigation et va évoluer à 28%. Et ainsi les capitaines vont ressentir tout cet assainissement dans la navigation. Nous essayons de faire de notre bien dans cette excavation et les travaux de dragage que vous avez déjà vus. Nous avons accompli 23% de ce projet. Nous sommes à l'avant-garde de ce projet et on va le terminer vers la fin de l'année prochaine. Nous travaillons avec nos dragages, nos propres dragages. C'est pour cela qu'on va accélérer le travail. Et nous aussi respectons dans notre travail la transformation verte. Il y a 16 stations qui fonctionnent à travers l'énergie verte et ce qui va alléger les émissions à effet de gaz. Beaucoup de véhicules ont été transformés à une combustion verte. Et il y a d'autres partenariats pour transférer les navires qui œuvrent à travers les. On est en recours à une énergie verte. D'autres projets ont été signés avec les compagnies pour essayer de se débarrasser des débris et liquéfier les débris solides. Je voudrais bien aussi signaler que tous ces efforts sont de pair avec les efforts de l'État pour accélérer et préparer la COP 27 qui va être tenue vers la fin de cette année et qui est le forum le plus important pour cette convention verte. Le canal de Suez, qui est une phare dans la bravoure égyptienne, est aussi siège pour tous les affrontements et les défis. La bravoure de nos fils seront tout à hauteur de ces défis et vont essayer de faire de leur bien pour réaliser la grandeur de l'Égypte. Au nom de tous ceux qui travaillent dans le canal de Suez, nous soutenons le président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la République, qui n'épargne aucun effort afin de consacrer tous les efforts afin de réaliser la grandeur de notre pays qui doit avoir une position avec sa nouvelle république qui va mettre l'Égypte dans une position au premier rang des pays du monde. Et comme dit le président de la République, l'Égypte est vive l'Égypte avec sa population ainsi que ses soldats et ses ouvriers. Et bien, je vous remercie et paix et bénédiction sont sur vous. Augusto Diaz, l'hymne national de l'Égypte.